première édition de la classique Grand Besançon 12. Ce sera de toute évidence un Cador, l'une des têtes d'affiche de cette startlist. Soit Andrea Vendramé, soit Nairo Quintana, l'ancien vainqueur du Giro et de la Vuelta, soit Binyam Guirmay, pensionnaire d'Intermarché, une équipe en tour. Et pourquoi pas un retour in extremis d'un Français, Thibaut Pinot, Axel Zingle. Ils n'ont pas abdiqué encore, ils sont au bout de la ligne droite à 2 km du but. Ah, ce serait formidable pour Thibaut Pinot, imaginez-vous les frissons du public ici. Oh, à environ une heure de route de Mélisée. Vendramé qui a l'air un peu en dedans, là, ils sont en train de... Ouais, il casse sans précédent. Tu vas contrer Vendramé. So Binyam Guirmay, first success for you in Europe, here in France. What is your impression after that race? Are you realizing what happens? Yeah, today is I'm so happy. It's so amazing race. I'm so happy with my first victory professional. Yeah, especially in the classics. I'm really happy for that today. La première victoire, on le disait tout à l'heure, Jean-Christophe, pendant le direct en Europe pour Binyam Guirmay. Très heureux évidemment de ce dénouement. Je crois que vous avez noté la formidable stratégie également de cette équipe Intermarché. Est-ce que vous avez une question à poser à Binyam? So today you were the only leader of the team. Est-ce qu'aujourd'hui vous étiez le leader de l'équipe? Est-ce que vous avez roulé uniquement pour votre carte ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités au sein d'Intermarché? Today we have also two leaders. On avait d'autres possibilités. Baptiste is also a strong rider as well. So yeah, the strategy is not for me. It's la stratégie, for, c'était pas uniquement axé autour de moi. But for sure, even I have more opportunity to play in the last kilometer. So that's why I try. Je me sentais bien dans les derniers kilomètres, c'est pour ça que j'ai essayé. Support me, push me to win this race, so I have also leader in this race. Yeah. And second question, were you scared when Thibaut came back? Est-ce que vous étiez inquiet du retour de Thibaut Pinot dans le final? No, I didn't scared. Non, j'étais pas inquiet. Strong in the sprint. Je savais que j'étais très fort au sprint. Peut-être plus que Pinot. It's not a problem for me. I will do my sprint. So I'm not scared for that. Donc scared for tomorrow. J'étais pas inquiet. Et pour demain? Maybe. Because tomorrow is a bit difficult, a lot of climbs. So demain c'est encore plus dur. Really happy for that. So mais vraiment très content de cette victoire. We will try tomorrow. Yes. Congratulations. Thank you. Last question, maybe. You were seventh in the last race in Belgium with Evenepoel, with so much people. Is it the sign that your form is really increasing now? Yeah, for sure. I'm really going better and better every day. Je me sens de mieux en mieux aujourd'hui. I don't have race since 3 months, but now I start in Poland. Depuis 3 mois, ça va mieux. So, yeah, really motivation and then feel good.
So yeah, I'm really better and better. Je me sens très bien depuis le Tour de Bologne. 8th place in the first stage in Poland. So it's a good sign. Now you are winning, so it's better and better for you. Yeah. Congrats. Thank you very much. Ouais, Benjamin Girmay qui donc conquiert sa première victoire en Europe et c'est tout sauf une surprise. 7e de la course des raisins derrière Remco Evenepoel et Benjamin Girmay qui sera là demain effectivement également pour essayer de jouer sa carte. Tomorrow it's a good day for you also, no? Yeah, probably. Peut-être, on croise les doigts. Congrats. On va le laisser aller sur le podium. C'est vrai que cette équipe Intermarché a beaucoup donné aujourd'hui un temps pensé capable de s'adjuger cette première édition de la classique Grand Besançon. Bon, donc on nous fait savoir que ça sera après le podium. Après le podium, peu importe.